Ah! Il arrive. Pas que ça va foutre, on a un épisode à tourner. Jacques, tu me reçois? Ouais, je te reçois 5 sur 5. Ok, quand t'arrives, gare-toi sur la place handicapée. Voilà! Ah, vous avez reconnu le moyen de locomotion? Et le truc de la NASA. On va aller voir la pelleteuse. Dans un instant. Enfin, on va y aller. On se retrouve là-bas. Vas-y, allons-y. Let's go. Non, il y a les couleurs dans Scrap Mechanic. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais au fait, on s'est pas présenté, mais doit-on encore se présenter à cet épisode 25? Salut, c'est nous! C'est nous, c'est clair. Voilà derrière. Ça secoue un peu, mais ça passe crème. Vu que c'est la gouille, je vais mettre la pause jusqu'à destination. En plus, comme ça, on garde la surprise. Ouais. Et puis bon, on a autre chose à faire avant. Vous verrez. Alors, avant de commencer avec la pelleteuse et la nouvelle attraction de White World, on voulait mettre quelque chose au point. Parce qu'on a eu un commentaire l'autre jour pour l'épisode 24, disant que notre intro avait fait un peu peur à certains, voire même les avait mis mal à l'aise. À cause de notre jeu d'acteur, very mauvais. Bon, c'était un peu fait exprès, hein, Jack, quand même. Oui, tout à fait. Et donc voilà, ça fait 3 semaines qu'on prend des cours à Bruxelles, hein, pour devenir acteur et être meilleur, pour vous donner du contenu toujours plus qualitatif. Et donc voici notre première pièce de théâtre. On l'a nommée La Sandwicherie. Je viens d'improviser ça, mais c'est pas grave. C'est parti. T'es prêt? Oui. Ça tourne. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Passez une bonne journée. Ça va, ça va. Si je puis me permettre de vous donner la carte des sandwichs, tenez. Oui. Merci. Effet de style. J'attends juste une seconde. Ça a l'air bon ça. Vous avez fait votre choix? Oui. Que puis-je vous servir? Salami. Un salami? Ouais. Très bien, rendez-moi la carte. Hop, merci. Gérard! Un salami pour la dose! Coupé! Voilà! Bien joué, Jack. Pas mal, franchement, t'étais convaincant. Bon, on aurait pu faire l'addition, tout le bazar. À la limite, si vous voulez d'autres sketchs, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous trouvez que c'est de la merde, dites-le toujours, on vous répondra. Allez! Grève de plaisanterie, c'est l'heure. En tout cas, le décor est réussi. Hein. Ouais, hein. Fait en 2 secondes chrono. Bon, d'accord, hein, une sandwicherie en plein milieu de la brousse, mais pourquoi pas. En terrasse. Une chaise plus courte que l'autre. C'est pour les enfants. Ouais. C'est l'heure de découvrir la pelleteuse de Jack. N'est-ce pas? Vous l'avez vu en image. Sur la vignette, puisque dorénavant vous avez des vignettes qui représentent le plus possible les épisodes en question. Ouh, on dirait presque un Lego. Ah, bien sûr, avec les couleurs maintenant. Hein. Ouais, c'est stylish. Regardez, j'en fais le tour, parce qu'on va présenter bien les choses. Je vais même... Waouh, elle est superbe. Je vais même prendre l'outil avec les connexions, pour qu'on puisse voir... un peu les connexions, hein, on vous présente tout ça le mieux possible. Un moteur, je devine un moteur là à l'arrière, relié aux 4 roues, qui bien sûr tourne un siège noir, et tout un mécanisme de switch relié également au fauteuil pour la pelleteuse. Alors montre-nous comment ça fonctionne, alors, c'est très simple. Et puis on verra si elle peut porter quelques blocs. Voilà. T'as vu, je me suis acheté des sièges noirs. Hein. Ouais, en cuir. En cuir, ouais. Moi j'ai mis des sièges rouges exclusifs sur ma Smart. Excellent. Même les petits boulons et tout, ça présente plutôt pas mal. Hein. Alors, donc il nous fallait une pelleteuse, ben j'en ai fait une. Et qui plus est, fonctionnelle. Et aux couleurs de Caterpillar. Oups, pardon pour la marque. Ah ouais, quand même. Ah ouais, avec tous les petits mécanismes et les petits tuyaux. Plutôt stylé. Maintenant, moi, ce qui est marrant, c'est quand j'avais pensé à la pelleteuse, j'imagine un truc, tu sais, les petites là avec
avec des petites chenilles et la grue, là, tu vois, la petite grue. Ah ouais. Alors, attends. Elle roule. Tu vas là, ouais. Tu peux lever un peu le nez de ton truc, là. Pas trop. Ouais, je peux pas. Ah bah c'est pas grave, ça va le faire. Attends, bouge pas. T'inquiète, hein, j'enlève ça après. Ah ouais. On va placer 2-3 trucs dedans. Hein. On va voir. Hein. On va mettre ça, comme ça. Ça aurait pu être juste des blocs aussi. On va mettre... ouais, des blocs de bois. Tiens, t'as ramassé du bois. Ouais. Voilà. Voilà. Et hop. Ah merde, celui-là il était scolé l'autre fois. Hop, hop. Vas-y, lève le bazar. Impeccable. Je vais prendre l'ascenseur pour offrir une meilleure vue à nos abonnés chéris. Voilà, je retire un truc histoire de voir. Vous voyez, hein, fonctionnel. Hein. Jack peut transporter des choses dedans. Bon, évidemment, faut ruser et être malicieux pour les mettre. Eh, stylé, hein, c'est sans doute le plus beau véhicule qu'on ait fait. Bon, évidemment, les couleurs, ça joue, mais tu t'es quand même fait chier sur la forme aussi. Ouais, ouais. Ah, je voulais un truc qui ressemble un peu à une pelleteuse, mais pas tout à fait, quoi. Faut faire un nouveau style. Ouais, avec la grille à l'arrière et tout. Et clignotant et phare. Hein. Ouais. Bah, depuis qu'on a les couleurs, évidemment, on peut se permettre plus de choses. Hein. D'ailleurs, je ne m'en suis pas trop privé non plus sur ma nouvelle attraction. Vite. On va vite virer tout ça avant que ça foute le soupe dans la... dans le bazar. Voilà. Je peux essayer l'engin. Vas-y. Bon, comme ça, je vous montre un peu. Voilà. De l'intérieur. Vu. Excellent. De l'extérieur. Il manque juste un gros klaxon. Ah ouais. Le détail qui tue. Mais tu peux voir que j'ai aussi fait un réservoir d'essence derrière. Enfin, un truc pour mettre l'essence. Le petit bouchon. Ah ouais, je vois. Les petits escaliers sur le côté. Ouais, si on regarde dans le détail, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Mmh. Vous direz ce que vous en pensez. Marche arrière. Ah, j'ai écrasé un furet. Voilà. Et tu peux me transporter aussi si tu veux. Hein. Bien sûr. On va voir si le bras est très solide. Ah, les bras t'en tombent. Hein. Ouais. La gravité. Excellent. Ah, je pense qu'on a bien vu la pelleteuse. Hein. Ça roule. Merci. Ah, moi ça... c'est une de mes plus belles créations, je trouve. C'est clair. On sort facilement. Suspension et tout ça impeccable. Ah. Bon bah écoute, joli boulot et c'est l'heure d'aller, je pense, sur White World hein, pour voir le nouveau manège qui avait été commandé en sondage. Ouais. C'est parti. Ouais, je suis paré moi. Me voici sur White World et j'attends un client et pas des moindres. Il s'agit de Jack. Oh mais tu sais bien que t'as pas besoin de ticket pour venir ici. Allez, range-moi ça. C'est gratuit. Ah. Tu testes mes attractions. En plus celle-ci est vachement dangereuse donc je te remercie d'avance. Bon, t'es en forme, t'as pas trop mangé? Non, ça va. On va tester le brocoli. Ok. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il est juste là, regarde, tu l'aperçois? Ouais. Alors, il y a une petite déception quand même. Hein. Je m'attendais à faire un truc vachement plus impressionnant et qui ressemblait à quelque chose qu'on connaît bien dans la vraie vie, dans ouais. Les vrais manèges de foires et de parcs d'attractions. Malheureusement... Le gros défaut de ce jeu, c'est toujours qu'on peut pas relier une partie à une autre et compagnie. Mmh. Et donc, du coup, bah, j'ai pas su faire ce que je voulais. Bon, tant pis, je vais pas vous dire ce que c'était exactement, on va pas se faire chier avec ça. Viens voir. Parce que t'avais vu, j'avais préparé un terrain assez grand. Normalement, ça allait jusqu'ici. Ah ouais. Et ça faisait un long bazar, tu vois, qui tournait. Et là, on a droit à un bête truc pourri sur deux sièges. Punaise. Alors, si je t'amène ici, c'est parce qu'il y a une entrée pour le personnel. Regarde.
personnel Excellent. Entre par là. Ensuite, tu peux aller te mettre à la barrière là-bas, puisque tu vas faire le rôle du... Tu peux aller te mettre à la barrière de l'autre côté. Non, sors de là, s'il te plaît. N'est-ce pas? Je vais t'ouvrir, quoi. C'était pour montrer ça, quoi, tu vois. Ah ouais. C'est le côté personnel. Si j'arrive à le refermer, normalement... Ah ouais, non, ça marche pas. Les trucs de merde, encore une fois. Voilà, on ruse. Je suis donc à mon poste, et on va faire tourner le brocoli. J'en fais vite le tour en vue FPS pour montrer. Deux sièges. Ouais. Et puis vous allez voir, Jack, elle est dedans. Hein, tous les mécanismes sont là. On a d'abord, tu le vois d'ici, hein, le jaune, pas dangereux. Le orange, bah, c'est le boost, donc... Et puis le rouge, attention. Tu veux voir le rouge? Ouais. Ça va te refroidir pour aller dedans, je te préviens. Regarde. Ah ouais. Ah. Excellent. Allez, c'est ouvert. Normal, c'est le brocoli. C'est vrai que c'est... Alors, tu t'imagines bien qu'ici, là où c'est rouge, tu dois attendre. Ouais. Et tu te dis, comment est-ce qu'on monte dedans? Ouais. Comment? Broccoli style! Vas-y, je t'en prie, monte et prends un siège. La personne est en place. Ouais. Le manager peut rabaisser la planche. Pour là, jusqu'à présent, c'est stylé quand même. Ah ouais, c'est vrai que t'as bien travaillé. Ouais, alors je démarrerai pas le truc sans t'attacher, bien sûr. Trop fort. Sans jette, hein. Ouais, je suis assez fier de moi. Montre un peu jusqu'où ça t'arrive. C'est vraiment devant toi, hein. Ouais, ouais. Impeccable. Bon, voilà, je vais fermer la barrière parce que le manège va démarrer. Et que, bien sûr, dans ce genre d'endroit, la prudence est de rigueur. Et puis bon, bah, tu t'en doutes, hein, ça tourne à 360 degrés, et puis de temps en temps... Le seul défaut, en fait, c'est que quand j'actionne le truc qui fait tourner sur lui-même, bah forcément, le réacteur ne pousse plus. Ah. Donc, bon, on va dire que ça, c'est un peu le petit plus, quoi. Tu vas voir. Ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Musica! Première année. Oh putain! Oh putain! Attention, ça va accélérer. Ouais. C'est parti. Oh non, quand on a la vitesse, j'actionne le truc. Et puis je le désactionne. Excellent. Et on repart à tout. Excellent. Je suis fort prêt pour montrer la vue, mais c'est pas grave. Ok, je donne la vitesse. Ouais. Plus vite. J'ai pas mis le boost à fond, hein. Et hop là! Génial! Et puis il se remet droit et il s'arrête progressivement. C'est pas mal, bon, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Je voulais faire un truc avec une longue rangée de sièges avec deux bras. Mais bon, ça a complètement bugué. Ouais, ça le fait, hein. Alors j'ai dû faire un truc comme ça, quoi. Ouais. Les limites du jeu, quoi. Ouais, bah ça le fait, franchement. Vous pouvez descendre et me faire faire un tour. Excellent. Ouais, on prend des heures pour faire des trucs, on les exploite, hein. Facile, hein, t'as pigé. Après, c'est une question de couleur. Donc là, le bouton pour le baisser, ah ouais, d'accord. C'est de l'autre côté, ouais, parce que j'ai rajouté ça après, en fait. Ok, ça va. The attaching for the security. Of the person. Oh. Ah oui, j'aurais pu faire un truc avec un moteur qui tourne en continu, mais ça donne quand même moins l'impulsion que donnent les réacteurs. Oh. Ouais, coincé la tête en bas. Mais ça finit toujours par redescendre. Wouhou. Et là, normalement, comme t'as l'élan, si tu restes appuyé, ça va tourner de plus en plus vite. Et puis, dès que tu veux, tu switches un peu sur la gauche pour me faire tourner dans tous les sens. Et hop là! Excellent, hein. Bon. Et t'as vu, ça touche pas, hein, c'est prévu pour. Hein. Bon, j'ai dû casser mon sol, ça c'est dommage, mais bon. Pas eu le choix. Ah ouais. Mais j'avais fait un truc encore plus beau que ça tout à l'heure, mais bon. Il est pas moche pour autant. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas. Amis abonnés et non-abonnés, futurs abonnés. J'ai les jambes qui partent en sucette! Allez, c'était le dernier tour. Tu ouvres les ceintures quand je n'ai pas encore arrêté, toi.
Bravo. Ouais, c'est la confiance. Ouais. Le petit pont, s'il vous plaît. T'aimes bien, hein? Ouais, j'adore. Ah, ça, c'est la petite barrière, c'est bien, oh, ça. Oh, tu peux ouvrir la barrière, si tu veux, mais ça me sert à rien, là. Ouais, pas grave, je suis un kamikaze, je saute. Alors, t'en penses quoi? Ah, franchement, c'est excellent. Ça donne encore pas mal, hein? Ça fait fort attraction de fête foraine, une fois de plus. Donc voilà, quoi. Simple, efficace. Bon, il y a un truc qu'on avait aussi dit, c'est qu'on allait faire trois trucs pour cet épisode, mais vous voyez que l'épisode est sorti quand même vachement tôt comparé au 24, parce qu'on a quand même travaillé aujourd'hui là-dessus. Jack sur sa pelleteuse, moi sur le brocoli, que j'ai recommencé deux fois. Donc ça m'a mis des heures. Et bah viens, on va sortir tous les deux par la sortie de secours. Enfin, de service. J'oublie de mettre ça. Et donc, j'allais dire, on n'a pas fait le troisième truc, c'est-à-dire le bateau pirate volant. Non, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. C'est pas trop grave, mais... Voilà, faut aussi se dire que ça nous prend quand même pas mal de temps pour une construction. Et en plus, si elle foire, on doit la faire deux fois. Donc s'il faut encore faire une troisième, ça va... Ouais, bon, c'est notre faute, c'est nous, enfin, en tout cas moi... Enfin, on s'était dit, comme on voulait faire la pelleteuse aussi, on s'était dit go. Par contre, du coup, le bateau, je crois qu'il était en deuxième quand même. Ouais. Donc il y en a qui vont peut-être être un peu déçus. Mais. Ouais, c'est pas grave, on va. Sinon, j'ai une idée. Hein. On colle des réacteurs en dessous de mon bateau pirate, je te le décolle et je te le décroche et c'est parti. Hein. Ah ouais. On fait voler le bateau pirate, quoi. Bah, du coup, je l'ai plus. Mais bon, en même temps, il a déjà été présenté dans un épisode. Hein. Viens, on va vite au bateau pirate, on va voir. Ouais. Bon, c'est un peu dommage, c'est que je casse une attraction du parc, quoi. Ouais. Bon, les visiteurs vont pas être contents. Bon, on peut dire qu'elle est fermée parce qu'elle était pas sécurisée. Hein. Oublie pas qu'il y a quand même... c'était Antoine? Ou comment il s'appelait, qui était venu? Ouais, je pense. Qui était venu tester le parc en premier, là. Et il était tombé de la nacelle, hein. Ah ouais, juste. Donc, très dangereux. Il est quand même dangereux, hein. Ouais. C'est vrai que c'est con de casser un si beau truc, quoi. Parce que de nouveau, dans ce jeu, on peut pas les recoller, quoi. Non. C'est pas grave, on est des fous, et puis c'est un jeu. Bon, attends, je me pose jusqu'à ce que j'arrive en haut. Ouais. Bouge pas. Tu lâches le truc et ouais, je vais le lâcher, crois-moi. Crois-moi, je vais le lâcher. Par contre, c'est considéré comme une construction, je pourrais le prendre avec mon ascenseur, tu crois? Ouais, hein. Une fois qu'il est... Détaché? Ouais, une fois qu'il est détaché, tu peux le prendre. J'espère, hein. Sinon, on met le réacteur maintenant. Hein. Bon, on va voir, j'arrive. Ok, j'arrive en haut. Je te le rattrape, hein. Ouais, attends, je vais quand même fermer la porte pour pas l'arracher au passage. T'es prêt? Ouais. Le problème, c'est que je vais tomber avec. Ah, oh putain. Alors, voyons voir. Ouais, excellent, regarde. Ta-da! On va virer les réacteurs de derrière, du coup. Ah non, on peut les garder, on va avancer avec. Ouais. Donc on va vous faire un petit truc, c'était le bateau pirate du parc, ça va devenir le bateau pirate volant qui avait été commandé durant le sondage. Comme ça au moins, parce que l'air de rien, cette forme de bateau, ça m'a pris aussi une heure. Hein. On va lui mettre une voile, vous inquiétez pas. On se retrouve quand le bateau est fait, et prêt à prendre son envol. Ouais. Bon, petite demi-heure de travail pour transformer le bateau qui était accroché là-bas en bateau pirate de la marine belge. Je fais le tour pour vous le montrer. Tout de suite, ça a une autre gueule. Hein. Jack, t'es prêt? Couleur, ouais, ça claque bien. Hein. Ouais, c'est un bateau pirate. Quand même. Attention, embarcation. Choisis un de tes sièges avant. Ouais, faut sauter. Hein. Normalement, c'est la planche pour foutre les mecs dehors. Ah, c'est moi qui ai le switch pour la fermer, je crois. Hop, je ferme la porte. Look at this. J'ai le switch de pousser, moi, et j'ai le switch du cul. A 3, on décolle ensemble. T'es prêt? Il y a un arbre au-dessus de nous. Ouh, je la sens mal. Attention, 1, 2, 3. Ah. Shit. Retentative. Deuxième tentative. J'en ai 6, t'en as 6. Vas-y. Ah. Il en manque 2 à l'avant maintenant. On va un peu régler la puissance. Ouais, on va un peu régler. Ouais, mais je crois qu'il vaudrait mieux en mettre 2, non? Putain, je suis coincé. J'ai été éjecté. Régler la puissance d'un cran sur un réacteur, sur les deux de devant. Ouais. Et on va tester, hein. Ok, attends, je bouge pas. Hop.
Non, pardon. Ah. Et ça vole, hein. Ouais, une fois qu'on est au-dessus des rochers, j'avance, hein. Ouais. Attends, je vais lâcher un tout petit peu pour que tu rééquilibres. Voilà. Un peu de patience, vous vouliez un bateau pirate qui vole. BBTV l'a fait pour vous. Oh, excellent. Le monde de Narnia. Oh putain. Ça passe. Hop, je rééquilibre. Attends, on va monter. On va monter, regarde. C'est génial. On s'envole. Alors. Ah ouais, ça le fait. Regardez, il y a White World. Il y a des attractions White World. Attention. Ah non, lâche-toi. Voilà. Hop. On va se poser, hein. Ouais. Lâche. Parce que là, on repart trop en arrière. Voilà, vas-y. Clic-touille. On se pose. On va se poser devant White World. Karting, de l'ancien karting. Où il y a des arbres. Attends, je pousse un peu, il y a des arbres. Impeccable. Oh oh. Excellent. Ça passe crème. Eh, franchement, c'est pas une attraction, ça. Au lieu d'avoir un bateau qui balance, maintenant j'invite carrément les gens à venir faire un tour en vol. Attends, bouge pas. Eh, troisième mission accomplie, finalement. Ah ouais. Ah ah. Pas mal. Ouais, ce sera aux abonnés de dire ce qu'ils en pensent du bateau pirate. Ouais, on l'a redécoré, ils volent. Et en plus, ils volent bien. Attends, une petite touche perso quand même. Faut qu'ils voient ça, hein, quand même, comment fonctionne le système de peinture. Ouais, c'est vrai, on l'a pas montré, on l'a pas expliqué au cas où. Je vais vous mettre en vue FPS pour vous montrer. Regardez l'engin. On a une touche pour choisir sa couleur. Donc, par exemple, si je voulais mettre un peu de rouge, hop, chut, vous avez vu. Et puis maintenant, si je veux faire une ligne rouge, par exemple, tac. On maintient et on lâche. Voilà. Et si on veut enlever, clic droit et ça redevient du bois. Et si je veux remettre du noir, tidit. Bon, hop là, tout est parti ensemble. Et on peut tout peindre, hein, les réacteurs. Regardez, je vais montrer. On va montrer un réacteur en rose. Hop, on a un réacteur rose. Les trucs du bord, ça marche aussi, bien sûr. Ah ouais, excellent, tu fais le truc du pirate. Donc voilà, ça c'est la nouvelle grosse mise à jour de Scrap Mécanique avec l'outil peinture, n'est-ce pas? Pas mal, on dirait plus un truc genre Galaga. Ouais. Mais ça passe crème, et toujours le petit canard en guise de mascotte. Bon, il y en a qui mettent des têtes de mort, mais nous on trouve qu'un canard c'est plus charmé. Ouais. Allez, c'était l'épisode 25 de Scrap Mécanique. Bientôt le sondage dans quelques jours pour l'épisode 26 avec des nouvelles propositions. Et puis, on continue, on change pas d'équipe qui gagne. On espère que ça vous a plu. À la prochaine, salut! Et ciao!